lauréat de cette catégorie éducation pour 2020. Suspense, c'est le lauréat de cette année pour le Tech for Good Award éducation et attribué à Coco Roé. Coco Roé, trois jeunes femmes donc derrière ce nom, vous allez peut-être redécouvrir ou découvrir ce soir. On regarde ce qu'ils font ou ce qu'elles proposent. Donc c'est ces jeunes femmes, ces trois jeunes femmes, Coco Roé. On regarde ça en image. C'est signé donc Camille Riwal et on les accueille juste après. Apprendre avec le cœur, c'est la signification de Coco Roé en japonais, un nom tout trouvé pour la start-up qui s'est dotée d'une mission, permettre à chacun de se former aux compétences de demain, créativité, intelligence artificielle, leadership. La start-up explore les thématiques actuelles de façon ludique et décomplexée pour préparer les travailleurs d'après dans l'optique où 80% des métiers de 2030 n'existent pas encore. Le public de Coco Roé, essentiellement des chômeurs, des associations et des boursiers. En septembre 2018, la start-up a d'ailleurs noué un partenariat avec Pôle emploi afin de former gratuitement les 3,4 millions de demandeurs d'emploi aux compétences humaines et tech. Et le modèle de Coco Roé séduit grandes entreprises du CAC 40, mais aussi indépendants ou entrepreneurs. D'autant plus que la formation à distance connaît un véritable boost avec le confinement. La plateforme a réussi à prouver que le e-learning pouvait jouer un rôle fondamental dans l'inclusion sociale. Coco Roé compte aujourd'hui 20 collaborateurs, 300 formations en France et au Royaume-Uni et 150 podcasts. Et on va appeler les fondatrices de Coco Roé, Béatrice et Raphaël. Allez-y mesdames, mesdemoiselles, je vous en prie, rejoignez-nous. Pierre, pouvez-vous vous installer également? Bravo déjà. Et merci, puis, alors, beaucoup. J'ai précisé que vous étiez trois, oui, avant le petit sujet. Peut-être trois, mais là, Covid oblige, vous ne pouvez pas vous faire rentrer toutes les trois. Mais on a une pensée émue pour Élise Coviette, sœur de Raphaël. Elle n'est pas très loin. Oui, c'est votre jumelle, c'est ça, Raphaël? Oui, c'est ça. Vous êtes déjà venu nous voir, on suit un peu l'aventure Coco Roé depuis 2015, en tout cas pour nous, le Tech & Co. Ouais, depuis les débuts. Vous, vous êtes lancé en 2015 aussi? Tout à fait, on n'est plus une toute jeune start-up, là, on commence à vieillir. Béatrice, Raphaël, je vois que vous avez envie de parler, on a le temps, rassurez-vous. Juste un tout petit mot. Pas de moi et ni de Pierre, mais d'une jeune femme qui tenait à vous remercier ce soir et qui pouvait pas venir, justement aussi Covid oblige, parce que voilà, elle attend un heureux événement. On la regarde, donc ça dure 30 secondes. Elle vous félicite, c'est la patronne de Yuka, Julie Chapon, vous la connaissez. Ah, et après, on vous écoute. C'est top. Bravo les filles, bravo à toutes les trois. Je suis vraiment très contente pour vous. C'est un super projet que vous portez. Donc je suis vraiment ravie que vous remportiez ce prix. J'en profite pour dire que je suis ravie l'an dernier d'avoir été distinguée avec Yuka lors de la première cérémonie des Tech for Good Awards. Depuis, Yuka a continué son chemin. On est aujourd'hui 20 millions d'utilisateurs dans 11 pays différents. Alors encore un grand merci et un grand bravo à Coco Roé. Voilà, Julie Chapon, donc la fondatrice de Yuka. Vous connaissez, hein, 20 millions d'utilisateurs, ça, c'est pas mal pour vous, c'est un bon objectif? Très bel objectif. Béatrice. Ambitieux. Ouais. Bon, les filles dans la tech, il y a un sujet ou pas là, Raphaël? Je pense qu'on va pouvoir le voir ce soir. Il y a très peu de femmes cofondatrices, en tout cas exclusivement, dans les équipes qui ont gagné en effet un reward. Il y a parfois une femme fondatrice, mais pas que nous. C'est vrai qu'on est trois femmes fondatrices. On s'est lancé à 30 ans. On travaillait chacune en effet en entreprise. Ça se passait plutôt bien. Toi, Béa, tu étais dans le secteur bancaire. Élise était une avocate. Moi, je travaillais dans le conseil RH. Et c'est vrai qu'à 30 ans, on a souhaité créer une start-up qui faisait du sens. Alors, on s'est posé plein de questions, hein, des questions peut-être aussi féminines. Est-ce que j'ose? Est-ce que j'ose pas? Comment je fais ce choix entre équilibre pour trouver un équilibre entre vie privée et vie pro? Et en effet, on s'est lancé. Et aujourd'hui, on ne regrette pas parce qu'on se fait confiance, on se connaît et on gère très, très bien notre start-up. Top qu'aujourd'hui en hyper-croissance. Béatrice Coco Roé, votre bébé, là, parlez-nous de ça, enfin de lui, comment ça se passe? Est-ce que vous avez dû pivoter? Est-ce que voilà, par rapport à l'idée de départ, est-ce que ce que vous faites en 2020, c'est différent? L'entrepreneuriat, c'est pas un long chemin, un long fleuve tranquille. En fait, on a débuté en 2015, on était une plateforme à l'époque de mise en relation entre élèves, professeurs, un peu sur un modèle à la Airbnb, finalement, une plateforme d'intermédiation. Et en cours de route, au bout de 2 ans et demi, on n'avait pas les chiffres qu'il fallait. Donc, on a décidé de jeter à la poubelle tout le code et redémarrer de zéro. C'était pas facile, ça. Non, ça a été très, très difficile. Ouais. Et on a découvert le marché de la formation en ligne, qui est un marché exceptionnel, qui demande qu'une chose, c'est être disrupté. Et depuis 3 ans qu'on est sur le marché, effectivement, comme dit Raph, on est en hyper-croissance, plus 100% chaque année, et on adore.
Pierre, vous les connaissez ? Vous les connaissiez avant ? Bien sûr, ouais. On les voit aussi dans le secteur de la formation professionnelle, auprès des entreprises. Ouais. C'est vrai qu'il y a énormément de demandes pour former les collaborateurs en ligne, sur les soft skills en particulier. Ouais. Donc, c'est très pertinent et je pense que c'est voué à encore plein de développement. Merci. Raphaël, les compétences de demain, quelles sont-elles alors ? Alors pour nous, ces trois types de compétences, ce sont des compétences qui sont humaines, ces fameuses compétences qui vont permettre à chaque salarié, chaque demandeur d'emploi, chaque entrepreneur de travailler sa capacité d'apprendre, à réapprendre, de dépasser l'échec. C'est des compétences autour du leadership, de la créativité. Donc voilà ce qu'on appelle nous les compétences humaines, qui sont clés hein, aujourd'hui pour évoluer aussi dans ce monde incertain. Ce sont également des compétences technologiques. C'est important de comprendre les innovations technologiques qui impactent nos métiers comme l'intelligence artificielle, la blockchain, la réalité virtuelle et bien évidemment des compétences métiers comme en effet bah, forcément le marketing, la communication. Ces métiers d'aujourd'hui ne sont plus du tout les mêmes que ceux d'il y a 10-15 ans et on traite en effet de ces innovations. Ce qui nous caractérise, vous le voyez, c'est vraiment cet ADN Netflix. Puisqu'on distille des éléments culturels et notamment des références à des films. Il y a des séries dans nos films. Et comme le disait Pierre, je pense que c'est ça qui marche bien aujourd'hui en entreprise. Béatrice, dernière question. Là, la crise, le confinement, le télétravail, pour vous, c'est un accélérateur ou pas, le business ? Oui, tout à fait. En fait, ça fait déjà quelques années qu'on était sur le marché du e-learning et on essayait d'évangéliser un peu le marché, même si les choses bougeaient. Et aujourd'hui, en fait, on a un vrai mouvement où les DRH viennent nous voir pour nous dire, voilà, digitalisez-moi mon catalogue ou ouvrez votre plateforme de formation en ligne. On n'a pas du tout besoin de faire le même travail qu'il y a quelques années. Et là, il y a une urgence, c'est de digitaliser la formation, que ce soit par des vidéos, par des podcasts, par des webinars, des webconférences. Là, la prise de conscience, elle est là, quoi. Cocoro est donc grand gagnant ce soir et donc pour cette année 2020, la deuxième édition des Tech for Good Awards. Merci. Remettant pour cette catégorie, je vous laisse récupérer votre award. Eh ben oui. Il n'y a pas d'état cette année. C'est pour vous. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Je vous laisse. Merci Sébastien. À très bientôt.